On continue ce journal avec vos réactions sur la pandémie. Je suis à la maison. Je ne quitte pas. Ne quittez pas. Salut, moi c'est Mardoché Boubala Bimba. Je vis en Ouganda, à Kampala. Je voulais juste dire à tout le monde de ne pas sortir de la maison. Restons à la maison. Coronavirus est très dangereux. Ciao. Bonsoir tout le monde. Je passe ma journée à lire cette petite livre dont il parle l'introduction à l'étude de droit que j'aime trop lire. Et aussi, je lis le Coran parfois. Donc, espérons, Inch'Allah, demandons à bon Dieu que cette pandémie disparaîtra un jour et que la vie redevienne normalement. Bonjour, je suis Fatima du Sénégal. Comme vous le voyez, nous essayons de respecter les consignes des autorités en restant chez nous, en limitant nos déplacements. Cependant, la seule crainte qu'on a actuellement, c'est qu'on ne sait pas encore l'issue de cet événement, l'issue de cette pandémie. Si aujourd'hui la situation venait à s'aggraver, qu'en sera-t-il de nous? Comment pourrons-nous nous ravitailler dans nos marchés? C'est tout ce qui m'inquiète et qui nous inquiète en tant que Sénégalais et Sénégalaises. Portez-vous bien de là où vous êtes et respectez les consignes des autorités. Et témoignez vous aussi dans BBC Info, envoyez-nous vos vidéos de 30 secondes maximum au plus 44 75 68 60 89 79, le numéro WhatsApp de la rédaction qui s'affiche sur votre écran.